qu'est-ce qui se cache derrière cette porte? Alors, on va l'ouvrir. Eh bien, il se cache des choses alimentaires. Mais ce n'est pas le but de ma petite vidéo ce soir, c'est de vous parler des misères de la famille Bettencourt, qui vraiment fait parler d'elle en ce moment. La fille en veut à la mère, qui dilapiderait sa fortune, qui aurait fait des dons très généreux à un photographe ami et intime. Et bon, bah voilà quoi. Là, vous pouvez voir que j'ai de quoi manger. Je mange peut-être pas la même chose que Liliane Bettencourt chaque jour, des tomates marmande par exemple, comme vous voyez là. Et puis aussi mes petites bières de type tourtelle, comme vous pouvez voir, sans alcool, c'est génial. Bon, voilà. Et bon, bah, la famille Bettencourt, elle pose vraiment problème. On se dit, la Liliane Bettencourt, elle est en train de perdre la tête complètement. Et on se dit, elle donne son argent, mais des sommes astronomiques. On parle d'un milliard d'euros, quoi. Et bon, bah, magasinière, ma petite penderie, armoire. Et voilà, vous avez fait un petit tour de ma cuisine très rapidement, avec un petit commentaire sur l'histoire des Bettencourt. À bientôt!